à tout le monde, c'est Azuric Peracia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 1009 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous du coup, dans l'épisode précédent, on avait continué notre mode aventure dans la carte de Termina. Nous sommes à 40%, ben plus que 60%, on est bientôt à la moitié de cette carte de Termina. Et au niveau de l'épisode précédent, on avait tout simplement terminé cette case dans laquelle on avait obtenu notre masque Zora, et en plus on avait obtenu notre arme de niveau 4 avec Fée et notre aliment esquive. Je vais vous montrer l'arme de niveau 4 évidemment comme à son habitude. Donc je pense que vous vous en doutez, évidemment c'est la blanche épée divine TX, voilà, qui est là. Donc voilà, 500 de dégâts, ça fait très plaisir, et 7 slots vides. Et du coup les amis, aujourd'hui nous allons tout simplement partir en direction de cette case là-haut dans laquelle nous avons une arme de niveau 4 à récupérer avec Sculptid, et rien derrière. Donc écoutez, on a le ce qu'il faut, donc voilà, on va pouvoir faire ça. Voilà, vous avez débloqué une nouvelle récompense de victoire. Et évidemment, c'est un ocarina de niveau 4 avec Sculptid. Et c'est une bousculade à la course au rubis de niveau 7. Et on peut voir qu'en face de nous, nous aurons du coup des moblins blindés. Et on n'a pas le choix d'utiliser Sculptid. Donc on y va. Voilà. Par contre, bousculade de niveau 7. What are you doing, quoi? On est où? On est dans un truc... Oh, on peut mettre le normal. Ouais, je vous avoue que... What are you doing, hein? Bon, on a un truc à 420, heureusement, mais... Ouais, bon, écoutez, why not. Et ensuite, on va peut-être mettre le... On va peut-être mettre Linkle, ça peut être bien, non, Linkle, on l'utilise jamais. Mais bon, après, on l'utilisera pas dans le truc, donc ça ne sert à rien. On peut essayer de mettre Impa. Voilà, on va mettre des persos un peu forts, quoi. On va essayer des persos un peu forts. Mais écoutez, on y va, hein. Merci. Char de bataille. On est à, alors, 8 minutes, moins bien le maté, et 4 hippas noirs. Ah oui, donc ça va. On se met bien. Alors, le but est évidemment d'obtenir le plus de rubis possible. Donc, on essaie. Parfait. Les couverts de rubis rejoignent le champ de bataille. C'est ce qu'il nous faut. Donc là, on va avoir... Par contre, c'est rare qu'on ait une arme de niveau 4 comme ça. C'est, genre, c'est pas une vraie bataille en tant que telle, en fait. C'est juste un convoyeur de... C'est juste un truc de rubis, quoi. C'est ouf. Bon, ça m'arrange en même temps, hein, je vous le dis, hein. Concrètement. Voilà. Bon, entre les convoyeurs de rubis, on va vite les faire, hein, je vous le dis. Parce que, vu que c'est une arme de niveau... Enfin, vu que c'est un niveau 7, donc ça veut dire que là, ils vont être vite défoncés. Donc on va les gros verres de rubis, pas le choix. Voilà, téléportation. Par contre, le gros verre de rubis, il est à moi, hein, je vous le dis. Oh là là, oh, wow, elle m'a niqué. Elle m'a niqué. C'est moi qui l'ai eu. Ah, elle m'a niqué la ligne pas noire. Sérieusement, elle m'a défoncé. Ah, mais ils ont de la chance parce qu'ils savent où sont les convoyeurs. Ils entendent, regardez. Hop. En général, il y a toujours des boss géants, hein, donc je m'y attends, tout simplement. Chasseur de fées. Le conveyeur de rubis. Ils vont l'avoir. Putain, fais chier. Non. Tu ne l'as pas. Il est à moi. Ah. Et voilà. Ouais, là, il faut faire attention parce que niveau 7, ouais, what are you doing, quoi. Oh putain, ils veulent vraiment ma peau, hein. C'est incroyable, hein. Ils veulent vraiment ma peau, hein. Parfait. Attention.
On est à 3000 rubis. Si on arrive à buter un petit peu des impas pour se mettre un petit peu bien, ça serait bien. Parce que le problème, c'est que les impas noirs, elles sont trop nombreuses. Il y en a 4. Et honnêtement, ça me fait vraiment chier qu'elles sont 4, quoi. J'avais moyen, mais... Voilà, flemme. J'avais le moyen de mettre un petit ZR, mais... De mettre des petites bombes, mais bon, voilà. Hop! Bon, parfait, ils ont vaincu le chasseur de fées. Mais est-ce qu'on peut leur voler le truc? Non, on peut pas leur voler, c'est dommage. Ça aurait été... Ah non, c'était le résultat, ouais. L'allié a l'avantage. On va les suivre, hein, je vous le dis. On va pas les lâcher, sachant qu'ils sont 4. Oh, ils ont bientôt plus de vie, hein. Ah, ils ont bientôt plus de vie, hein. On peut essayer d'en avoir une ou deux. Ah, on en a une déjà. Pour ça, on va pouvoir voler des rubis. En même temps, on leur vole le cover de rubis. On peut essayer, hein. Voilà, on a eu un autre impa noir. Voilà, on en a eu, je crois qu'on a eu tous les impas noirs. Donc là, vraiment, on est easy, quoi. On a la victoire, les doigts dans le nez, quoi. Ok. Mandala! Sa Mandala, elle donne pas mal, donc on va les faire, hein. Si... Mandala, plante attaculaire vénéneuse, si on lui fait vraiment mal, hein. Je vous le dis, parce que si on lui fait vraiment pas mal du tout, on abandonne l'idée, hein, mais... Ouais, par contre là il y a du monde. Voilà, on sait bien parce que là du coup il ne respawn plus. Donc là on a le temps d'essayer d'en battre une. Voir ce que ça donne, voir ce qu'elle a dans le ventre. Parce que si on lui fait pas de dégâts hop. Comment dire, ça va être compliqué là, non? Hop, ça va être compliqué je pense. On peut essayer, mais... Oh, en deux fois, ça passe, hein, concrètement. En deux fois, ça passe, hein. Genre... Oh, la pute! Oh là là! Oh là là! On va y arriver, hein, 36%. C'est bien parce qu'elle s'en prend sur l'autre. C'est même parfait. Oh là là. Ah, par contre, faut pas qu'elle revienne sur la course, hein. Voilà. Une fois qu'on aura battu une mandala, on aura pas mal de rubis, donc on sera tranquille. Allez. C'est bon. Une mandala. Là, on va avoir pas mal de rubis, je vous le dis. Là, on va être tranquille, hein. Super. On nous a volé 2000 rubis. T'es sérieux là? Ça commence à... La situation se retourne contre nous. C'est pas bien. Parce que l'autre il m'a fait des dégâts. Le voleur de rubis. Là il n'y a pas le choix. Il faut faire des dégâts, hein. Aïe 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 aïe. Le voleur de rubis revient sur la bataille. Est-ce qu'on peut récupérer nos rubis volés? Et récupérer vos rubis. Eh oui, on peut. Par contre, toi, mon gars, tu récupères les rubis. Oh, attention, oh là là. Oh, on prend cher, par contre, ici. Bon, par contre, est-ce qu'il y a moyen que vous dégagez tous, concrètement? On va récupérer les rubis, hein. C'est bon, on a récupéré nos rubis. Ça m'arrange. Vas-y. On était à bientôt 6000 rubis. Eux ils sont à 1006. Ça va, ça peut le faire. Sauf si on se mange une remontada que eux que je ne connais pas, mais la fatigue décourage, c'est nickel. La fatigue décourage.
Oh là là. Par contre, on prend tarif, hein. 51%. On commence à prendre tarif encore, hein. Heureusement qu'il reste moins d'une minute. Putain. Par contre, ils font une remontada, là. 93. Et on a gagné un réceptacle de cœur, si je dis pas de conneries. Voilà, parfait. Ouais, de Ruby. Il est à moi, lui, hein. On va en prendre un parce que ils ont commencé à me rattraper. Ils sont à la moitié pratiquement de nos rubis à moi. Et ça me fait un petit peu chier, je vous avoue. Voilà. Je crois qu'on a gagné un réceptacle de cœur avec Soul Kid. Donc ça veut dire qu'il lui manque 14 réceptacles de cœur. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, ben normalement on a le rang A, hein, je vous le dis. Normalement on a le rang A. Ouais, ben parfait, on a le rang A. Eh ben dis donc. Bon, ils sont mangés une petite remontada quand même à la fin. Hein. Heureusement que ça s'est fini maintenant. Qu'il n'y a pas eu 2 minutes en plus parce que ça aurait été peut-être un peu compliqué. Vous avez obtenu une arme scellée. Vous avez ça s'il s'agit d'une arme que vous ne possédez pas encore. Hein. Ouais, parce qu'ils sont mangés une petite remontada quand même. Hein. Ils sont passés de 1100 à 3218 rubis, quoi. What are you doing? Après, ils ont pas arrêté de buter les convoyeurs de rubis. Hein. C'est aussi ma faute. J'aurais pu me concentrer sur les convoyeurs de rubis. Mais bon, vu que c'était vers la fin, je me suis dit, bon, on va leur laisser. On va se concentrer sur nos ennemis là. Mon but en réalité était de faire de l'XP des rubis. Donc, surtout de l'XP. Donc, voilà quoi. Hey, parfait, dégâts subis, ok. Alors, obtenu Ocarina de Majora DX. L'Ocarina de Skull Kid permet d'indiquer aux fées Taya et Tael quand attaquer. Soufflez dans une trompette avec l'attaque spéciale pour envoyer une marionnette au lama série à l'attaque. Donc voilà, Ocarina de Majora DX, 500 de dégâts et 7 slots vides. Voilà, parfait, du coup, on est assez tranquille sur ce côté-là. 6500 rubis. 6100 rubis, 6400 rubis, 7200 rubis, 3500 rubis, 4600 rubis, 6000 rubis. Et du coup, je suis désolé, mais ça part. Hein. On a un truc tellement bien. 500 de dégâts, pouah, ça va être tellement bien ça. 17200 rubis. Avec un plastron d'Impa, un bouclier de Moblin blindé, 2 liens pour cheveux d'Impa, une spore toxique de Mandala. 4 casques de Moblin blindés, 3 viandes de Moblin et une bandelette des guides d'Oardent avec une bonne carotte, une cuvée de Romanie, une appât universelle, une baie de lumière et enfin une eau sacrée. Merci le masque Zora. Et par contre le masque Goron qui ne réapparaît pas. Qui n'apparaît pas. C'est un truc de dingue, hein. Les masques Goron n'apparaissent pas. Bon bah du coup les amis, voilà, nous avons nos masques Zora. On va tout simplement dans l'épisode prochain nous ajouter 10 au compteur, hein, évidemment, donc on fera tout simplement bah, cette case dans laquelle on va devoir utiliser un masque Zora pour pouvoir la faire. Donc écoutez, bah, merci les amis de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 1009 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition. Demain il y aura 2 épisodes, voilà, donc il y aura un épisode à midi et un autre épisode à 23h, donc dans la soirée. Donc écoutez, bah, merci les amis de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 1009 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors Definitive Edition et on se dit à l'épisode 1010, allez d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace. Et oui, on va devoir s'ajouter 10 au compteur pour être tranquille, quoi.